Moi, c'est Guillaume Hérault, je suis président de la société ERM, études réalisation multimatière. On est une sorte de gros Fab Lab géant, je suis associé avec Daniel Vacher. Donc Fab Lab géant, pourquoi? Parce qu'on a un atelier plastique et composite, où on fait un peu de bois aussi, un atelier métal, un atelier d'impression 3D, et un atelier graphique, ce qui nous permet de personnaliser les produits qu'on fabrique. On est plutôt spécialisé dans la petite moyenne série de 1 à 1000 pièces. Deux gros secteurs d'activité, un secteur d'activité dans l'industrie, où on fabrique tout ce qui est chariot de préparation de commandes, coffret de protection pour les matériels informatiques en milieu hostile, dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique, tout ce qui est cartérisation machine aussi, pour les machines spéciales. Et puis on a une autre activité qui est dans la communication, où on fait tout ce qui est PLV, démonstrateur, signalétique, enseigne. Voilà pour les activités qu'on réalise. De plus en plus, donc ça fait 11 ans nous qu'on a racheté, et de plus en plus là on est en train de partir en fait de l'idée du client. On va prendre son idée, on va la dessiner, la prototyper et puis aller jusqu'au premier de série. Et puis quand c'est des plus grosses séries, ben, c'est plus notre activité, donc voilà. Aujourd'hui on est 20 chez ERM. Je suis associé aussi dans une autre entreprise qui s'appelle IDFab, lorsque c'est des très grosses séries, aller chercher, si tu veux, les sous-traitants plus importants, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Alors il y a eu d'autres crises avant, hein. Le Covid a été une crise, mais il y a eu des crises même beaucoup plus importantes pour l'industrie, donc dans les années précédentes, donc je pense qu'on en revivra d'autres. Clairement, nous le Covid, on n'a pas été tellement impacté parce qu'on a été assez flexible quand tout d'un coup il a fallu créer les protections en plexi que tu vois partout, dans les taxis, dans les maisons de retraite, dans vos bureaux, dans les restaurants d'entreprise. Donc on a essayé, tout d'un coup on n'avait plus d'activité sur nos activités on va dire traditionnelles. Et donc on s'est mis à faire ça, et donc ce qui nous a permis de passer plutôt la période de façon relativement facile. Depuis la reprise, on a beaucoup investi en fait, on a réinvesti dans des machines 3D, dans des machines, des commandes numériques, des fraises. Et on a investi dans des hommes aussi, soit dans le commercial, mais surtout aussi dans le bureau d'études. Comme je te disais, comme la stratégie c'est de faire évoluer et qu'on devienne que la moitié de mon chiffre d'affaires, ça soit du bureau d'études, et la moitié de notre chiffre d'affaires de la fabrication. Voilà notre projet à 3 ans. Ça évolue très très vite, que ce soit sur l'informatique, mais sur les machines. On voit bien qu'une machine 3D qui a 3 ans, elle est presque obsolète en final. Conclusion, il faut être très flexible et puis s'adapter aux besoins du client, en ayant toujours des technologies à la pointe, quoi. Donc on n'a pas le choix, c'est beaucoup d'investissement. Mais ça nous permet d'évoluer aussi et de prendre de nouveaux marchés. Je pense qu'il faut absolument qu'on se réindustrialise en France, c'est sûr. On l'a bien vu au moment du Covid. Ça passe aussi par l'investissement dans les hommes, puisque ça c'est le plus important. Savoir attirer les talents chez nous, c'est pour moi capital. Et on a du mal quand même à trouver ça, parce qu'on a du mal à avoir des gens qui sont formés dans des postes de soudure ou dans des postes de monteur, de plieur, enfin tous les métiers qu'on peut avoir dans nos usines. Je pense que c'est un vrai sujet d'avenir, de former à nouveau des enfants, des adolescents, des adolescents, voilà, ou même des adultes qui ont envie de faire une reconversion, qu'on les remotive à revenir dans l'industrie. Et donc pour ça, il faut qu'on soit plus, on va dire, sexy et qu'on montre qu'en fait ces métiers-là, ce sont des beaux métiers. Et que oui, on n'est pas une agence de com, mais avec des graphistes et des directeurs de pôle. Mais par contre, que dans nos métiers, même en petite moyenne série, on fait un métier qui est passionnant et qui est en plus très, très varié. De la petite moyenne série, la personne travaille le lundi, mardi sur un sujet, le mercredi, jeudi, elle va faire un autre sujet. Et puis, ce qui est intéressant chez ERM, c'est comme on a plusieurs métiers avec plusieurs matières différentes, les gens passent et on apprend aussi la polyvalence. Une boîte qui fait grosso modo, sur une boîte qui fait 2 millions d'euros, l'année dernière on a investi 300 000 euros, tu vois. Donc ce qui permet, si tu veux, de pouvoir à chaque fois, mais c'est toujours entre 100 et 300 000 euros. Tu ne peux pas faire évoluer l'entreprise, nous on est sur un effet palier, puisque je te disais là, le but c'est qu'on fasse plus de bureaux d'études, mais avant il faut quand même s'équiper de machines qui nous permettent de fabriquer justement ce qu'on crée en fait sur informatique. Le but c'est d'aller voir des écoles, présenter nos métiers, parce qu'on va parler aussi de... Il n'y a pas que dans une usine, dans l'industrie, il n'y a pas que l'atelier.
Il y a surtout, il y a aussi les d'autres services support, type les RH, type le marketing. Je peux te dire que le marketing industriel est quand même bien différent que le marketing des services. Et donc, en fait, plutôt promouvoir en fait nos industries dans les écoles, pour moi, c'est une grosse priorité qu'on est en train de mettre en avant. On reçoit pas mal d'écoles aussi ici pour prouver que ça peut, l'industrie, c'est fun. Premier challenge, c'est d'avoir des gens qui veulent bien travailler chez nous dans les industries, qu'on ait des gens compétents qui viennent nous rejoindre. Ça, c'est la priorité numéro un. Parce que sans l'humain, en fait, l'industrie, ça ne se développera pas. Il n'y a pas que les machines. C'est d'être beaucoup plus mélangé le produit et le service. On voit bien que l'évolution, c'est par exemple mettre de l'IoT dans des produits. Donc en fait, il n'y a plus d'un côté un produit et d'un côté le service. Je pense qu'on va de plus en plus aller vers des solutions globales, si tu veux, de mélange produit-service. Que ce soit par le biais de l'IoT, que ce soit par de la récupération de data, donc que plein d'autres choses. La troisième chose, et je t'en avais déjà parlé, il faut qu'on puisse protéger même que nos TPE, PME puissent protéger l'auteur de sa création. C'est-à-dire qu'un client va venir me voir pour créer son produit. Avant, il y avait le brevet pour protéger un produit. Le brevet ne protège pas un service. Or, on est en train de dire que de plus en plus, c'est produits-services qui sont mélangés. Il y a le PICB qui est arrivé là, qui est le passeport intellectuel, et qui protège l'auteur de sa création. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'avant, une TPE-PME n'avait pas les moyens forcément de se protéger. Et là, on arrive à des prix qui sont très convenables et qui permettent aux créateurs, ouais, de protéger, enfin, et ça protège son auteur. Un copyright, comme dans la musique. Alors en France, moi, c'est qu'on soit plus en amont, c'est que nos TPE-PME en mode industrie et en mode sous-traitant en M-1, 2, 3, qu'on rentre plus dans l'étude et qu'on mélange plus les systèmes informatiques et le digital avec nos produits. On est en train de passer sur un nouveau business model. Je sais pas, je me permettrai pas de dire que l'industrie manque l'industrie française. J'ai pas les. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas de dire ça. Par contre, je pense que nos TPE-PME, pour ce que je connais, ce qui serait intéressant, c'est de plus aller justement dans l'étude et pas seulement prendre des plans et fabriquer. Je te parle pour ma partie. Et puis, d'apporter une vraie valeur ajoutée. On fait beaucoup de co-conception avec nos clients. Quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément un service R&D. Conclusion, on co-construit avec nos clients. Maintenant, il faut, en plus de co-construire avec nos clients, c'est pouvoir même être, bien sûr, force de proposition, valeur ajoutée au niveau même de la création du produit. C'est-à-dire de dire, mais alors on le fait déjà, si tu veux, un client vient nous voir, il nous propose quelque chose et nous voilà. Mais peut-être qu'à nous aussi d'être force de proposition en proposant même d'autres produits que le client pourra vendre. En fait, on vient finalement, ouais, on va apporter, si tu veux, un service que soit un bureau d'études, soit apporté avant, quoi. Bah, de toute façon, c'est capital, on l'a bien vu, c'est pareil, on en revient au moment du Covid, on s'est quand même bien désindustrialisé et que maintenant, il faut absolument fédérer les politiques, il faut fédérer les écoles et il faut fédérer aussi nos industries pour promouvoir l'industrie au cœur de notre économie. Et puis, avoir des aides à taux zéro pour de l'immatériel aussi, ou pas d'ailleurs, mais qu'on crée en fait les moyens pour nos industries de se développer. Création de valeur.